Voilà, donc c'est le moment dont je parlais. Eh ben, on va tout de suite checker nos stratégies parce que ça va être très important. Alors, attaquant soigneur. Attaquant ravageur, on commence comme ça, choc brûlant. Ça c'est pas mal. On a un tacticien soigneur, ça c'est bon. Moi j'ai rien à dire, hein. On va y aller, hein. Donc ouais, ça part très très vite, hein, parce que là c'est justement le moment que je parlais, hein. Là il va falloir combattre, là normalement c'est un bon spot pour faire pas mal d'XP. Bon, pour l'instant on voit que c'est des artilleurs qui ont le niveau, j'allais presque dire début de jeu, hein. Ils sont vraiment très très faibles. Faut quand même faire attention, hein, parce que là, j'ai plus trop de points de vie. Voilà, plus qu'un dernier. Normalement, ça va le faire tranquille. Et donc oui, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, ils ont mis une sorte de voûte. Là, vous voyez, il y a des sortes... comment on appelle ça? Des hexagones, voilà. Qui ont plongé le parc dans la nuit. Donc ouais, il y a des sacrés monstres là. Celui-là, on s'en souvient de celui-là. Donc ouais, on rapporte pas beaucoup de points de compétence par contre, hein. Ah, il est là, le... Bon, je vais sauvegarder au cas où, mais de toute façon, je pense que je vais en avoir besoin, hein, de cette sauvegarde. Toute façon, je le dis, si je venais à devoir recommencer plusieurs fois, ne vous inquiétez pas. Je ferai un petit montage et je vous laisserai seulement la tentative qui sera réussie. Je vérifie mon stock de fortifiants. On est bon. Ça va être utile à mon avis pour le dernier combat. Donc celui-là, comment on se débrouille? Il faut d'abord attaquer les soldats qui sont derrière. Ok, on est bon. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la machine. Je regarde juste... Ok, il est vulnérable. J'aurais juste testé la stratégie tacticien-saboteur pour voir qu'est-ce qu'on a comme... Il est vulnérable à l'eau? Ouais, il est vulnérable à l'eau. Bah, c'est une bonne chose, alors. Ça vaut le coup de faire ça. Ok. On va continuer avec un attaquant soigneur. Là, vous pouvez voir, là en plus on fait des dégâts, hein. Donc oui, pour ce combat de boss, à mon avis, il va falloir jouer la carte du... Non, je pense que... Il va falloir me mettre une sorte un petit objet au début du combat pour faciliter le tout, parce que le problème quand on fait ces combats d'Eidolon, parce que c'est bien sûr un combat d'Eidolon dont je parle depuis je ne sais combien de temps, ça m'avait traumatisé la première fois que j'avais fait le jeu. Mais réellement, vous avez pu voir contre le combat contre Odin, moi je l'ai réussi lorsque j'ai justement mis un petit objet, parce que sinon on perd beaucoup trop de temps. Et malheureusement, avec les combats d'Eidolon, c'est des combats chronométrés. En tout cas, moi, si je réussis ce combat d'Eidolon en une fois, je me dirais que je commence... Enfin... Ça me donnera un petit signal positif pour la suite de la série. Ça voudra dire que... j'ai bien combattu les monstres, j'ai pris tous les points de compétence. Ok. Donc en tout cas, Vanille, elle fait vraiment mal, là, avec sa magie, son bâton magique que j'ai amélioré. Je vais juste regarder la carte, juste pour voir un petit peu la...
Ok. Donc ouais, il y aura bien un nouveau point de sauvegarde à la fin. Donc ouais, ça va me permettre là de faire un tout petit peu de... Je dis bien, ça va permettre de faire juste un tout petit peu de... d'XP. Même si c'est pas énorme. Parce que je pense que malheureusement, cette paire Sasvani reste très très faible par rapport à une paire Lightning Fang. Spica. Et là, on va voir qu'en fait, le Spica est meilleur. Non. Il améliore la magie et il baisse la force, donc c'est pas du tout ça qu'il me faut. Non, j'ai bien fait le prix, le psy machin là que j'avais. L'arme de sas que j'ai actuellement, elle est très bien. Ah, elles ont repopé les... Ils ont repopé les ennemis derrière? Ah, d'accord. Donc en fait, ouais, ça fait une... C'est une zone de... Ok, c'est une zone de farm. Donc réellement, je vais aller faire le combat. Et si je vois que j'ai du mal, en gros, qu'est-ce que je me fais? Une séance de farm de 30 minutes et puis... normalement, là, ça sera bon. Qui on se met en mode finesse. On va passer avec un tacticien soigneur. On va se mettre les buffs nécessaires. Et franchement, si j'arrive à avoir célérité, je vous dis là par contre là je suis le roi parce que célérité c'est juste, c'est vraiment ce qu'il me faut. Hein. Ok, Saz, il est bon. Voilà, Vanille, elle a juste besoin de volonté, de toute façon. Enfin non, elle aurait eu besoin de... Ouais, je pense que mon objectif à avoir pour le Crystarium, ça serait d'avoir célérité dans les dans la compétence tacticien, parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, je disais bien que célérité, c'est ce qui serait mieux en gros. Dès que vous avez célérité, vous attaquez au moins deux fois plus que votre adversaire. Et contre un combat, dans un combat d'Eidolon, où en fait, c'est le fait de bien pouvoir alterner entre différents... entre différentes stratégies qui fait que vous allez gagner. Donc, par exemple, on va voir le Crystarium, ouais. Là, je pense que je peux me prendre une compétence. C'est tacticien. Ok. Ah, c'est un petit peu... Ça va être compliqué, hein. Tac. Qu'est-ce qu'on a besoin pour Vanille? Améliorer son soin? Non, pas réellement. Là, je vois que c'est encore des compétences qui sont pas chères du tout. Ok. Ah, et en plus, il y a le truc accessoire. Donc, moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, là, je vais genre mettre le... Je vais mettre le jeu en forme accélérée, puis je vais battre tous les monstres, je vais me faire une... Je vais recombattre ces monstres et puis voilà.
Ah voilà, j'ai enfin fini ma petite séance de leveling. Bon, je pense que pour vous ça a pas duré trop longtemps. De toute façon, je l'ai mis en façon accélérée, comme ça vous avez pu voir à peu près ce que j'ai fait. Ok, donc ça c'est terminé, donc bah on va être parti, hein. Donc comment... Ah oui, parce que là, tout va se passer là, hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça, je pense qu'il va nous falloir un écran. Voilà. Donc j'espère bien que ces buffs vont durer pendant le combat. Mince! Ah, je savais pas qu'il y avait un boss préliminaire. Bon, bah c'est comme ça, hein. C'est pas grave. Donc premièrement, une technique acuité. Ah d'accord, donc ok. Il est vulnérable à ça. Donc ça c'est bien, je vais me mettre endoglace. Par contre il met des buffs là. Il met des attaques poison. C'est à mon avis pour ça qu'ils nous ont donné un petit coup de poison la dernière fois. Si vous vous souvenez bien, lors du combat, enfin lors de la petite quête avec les chocobos, il avait mis des petites... Donc comment faire? Je vais mettre tacticien saboteur. On va partir tout de suite là parce que... Ok, bah célérité, ça c'est très bon ça. Vanille, on lui met célérité aussi. Ensuite il nous faut de l'endoglace. Voilà, t'as tout compris ça. Voilà. Tac. Et là on est parti pour du choc brûlant. Et on peut voir que le moissonneur midlight là, il a une barre de... Une barre très très basse en tout cas. De choc. En tout cas, vous voyez qu'avec célérité, ça va m'améliorer mes capacités. Hein. Très franchement. Non, on va juste passer en mode finesse 2 secondes parce que il semble avoir pris pour cible Saz. Ok, on repasse en choc brûlant. Par contre, je trouve quand même que le combat est assez loin. J'ai pas l'impression que c'est un combat dur. Par contre, il va falloir être très endurant. Oula, je me mets en mode finesse. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Mais peut-être que je vais me remettre un buff juste après pour prévoir le combat qui vient juste... Je sais pas. De toute façon, faut s'occuper de cet adversaire tout de suite. Ou oh, attention, passons en mode finesse. Oh, j'ai bloqué son attaque ultime. Vous avez pu voir, normalement, il avait amorcé son combat, son canon principal. Mince, bon, j'ai perdu mon buff célérité. On se l'en mettra après. C'est vrai qu'après avoir goûté à célérité, on n'a plus envie que ça s'arrête. Hein. Voilà, bon, ça s'est arrêté. Hop là, tacticien soigneur. Voilà, et on repasse en choc brûlant. Même son attaque, elle fait pas très très mal. En fait, elle fait surtout mal à Vanille. Mais ok, bon, repassons en finesse 2 secondes, on va pas prendre le risque. En plus, je l'ai presque mené au choc. Voilà, attaque, repassons. Je suis repassé dans le bon tempo, là.
Avec un peu de chance, on le bat là. Ah, ça c'est bon ça. Et des points de capacité. Est-ce que il va me laisser le temps? Je pense qu'il va me laisser le temps de me remettre un buff. Daddy, I found you. Huh? Daddy, got you. Dodge, why are you here? Because you promised. But how did you get here? Dodge. Wait. Come back. Dodge. The capture of undesirables. It seems that was your son's focus. Dodge fulfilled it admirably and served Cocoon in the process. You should be proud of him. Mr. Catsroy. Dodge was a great help. He could sense power of pulse origin. That let us monitor you. Words can't express our gratitude. The data he provided on Enemulus C was invaluable. And speaking of gratitude... What? We enhanced the surveillance footage from the energy plant. Anything come back? Those are the pulseless sea behind what happened. We got close to a cocoon foul sea. The picture's a little grainy, but I'm sure you recognize that one. You've spent so much time together. Fang, let's go. What's our focus even matter? What's it matter? You want to be a monster? I just... Keep your chin up. We know the part that matters. Right? We are enemies of Cocoon. Know what I say? Play the part and raise some hell. Might jumpstart our memories. What? The foul sea. Let's smash it. Who are you? Gorge is the reason Dodge was made on the sea. Ironic, isn't it? The very girl you're protecting is the one who stole your son. Hold. Shall we finish the job? Or would you prefer to? Hmm.
Colonel Nabot. What now? Follow them and observe. How often do the sea kill their own? Donc voilà, donc ils nous ont quand même laissé le choix de nous remettre un petit buff. Et là vous voyez ce que je voulais dire, c'est que ce chapitre 8 là commence à prendre tout son sens maintenant. Donc tout ce qu'on peut faire pour l'instant c'est prendre notre Crystarium et augmenter un peu les capacités, notamment d'attaque, pourquoi pas d'attaque. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, mais ça reste plutôt pas mal. Donc, on va se mettre un buff. C'était pas mal, notre bouclier barrière voile et volonté. Voilà, parce que qu'est-ce qui va venir? Un combat d'Eidolon. Et en plus, une cinématique là qui va être très tendue. Hein. Did I even try to run? What was waiting wasn't something I could change. You are cold-blooded. Lying so people would trust you. Using them as shields. How many you gotta drag down with you? I'm... A coward and a killer. The people you use don't get to live. Why should you? Tired of living with guilt? Then die with it. My name is Erbedia Vanille. I'm a Lassie from Grand Pulse. And to everyone on Cocoon, evil. Shoot me for your son. Don't you even! You think you die and that's that? Mm-hmm. You think you die and everything will be sugar and rainbows? Then what can I do? What do you want from me? If I can't live or die, what do you want me to do? Don't ask me. You figure it out. I don't know! Neither do I. It's over. There's nothing to do. Shooting you won't help. Neither will living. It's not over.
Okay, fine. You want me? Come and get me! Allez, c'est parti. Donc, première chose à faire, un petit analyseur pour savoir quels sont ses... Voilà, acuité. Bon, ça serait bien que tu puisses me laisser envoyer mon attaque. Merci. Donc alors, vulnérabilité, honneur ceux qui multiplient les combos. Donc, moi, je vois déjà du endo glace. Tacticien soigneur, tout de suite. Tac, on va se mettre endo glace. Célérité, ça c'est bon, ça pour Vanille aussi. Voilà, et du endoglace, comme ça, ça nous permettra de multiplier les combos en attaquant Ravageur. Voilà, attaque tout de suite, hop. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. On va juste passer en mode attaquant soignant parce que là je sens qu'il va nous faire pas mal de combos. Tiens, ce qu'on pourrait tenter c'est peut-être un tacticien saboteur aussi. Voilà, ça c'est pas mal, vous avez vu. Je l'ai bien affaibli. Et sa jauge a bien augmenté. Là, ça pourrait être la bonne dès le premier coup, ça serait assez énorme. Et ça veut dire que ça nous permettra tout de suite d'avancer vers le chapitre 9. Vite, attaque en soigneur. Parce que là, il se met en mode... Ah, attaque, là, il faut l'enchaîner, là. Je sais pas, là, ça a du mal à augmenter. Il faut absolument que ça augmente plus vite, là. Faut que Vanille, là, il faut que... Je stresse, là. Allez, c'est pas mal, là. Allez, s'il te plaît, Vanille. Allez. Super. Du premier coup. Ça, j'ai envie de dire, ça c'est un très bon indicateur sur notre avancée dans le jeu. Things can be excused. Shooting kids ain't one. Kindness like his, you don't forget.
enough. Is enough. Do be careful with those. For every task, there's a perfect tool. All of Cocoon was against us. With us dead, they were sure everything would go back. Back to the way it was before. Ah, voilà qui nous met de l'eau à la bouche pour le prochain chapitre, hein, parce que chapitre 8 vient juste de se terminer. Franchement, c'était pas un très gros chapitre, mais comme je l'avais dit, un début un petit peu lent. Par contre, la fin, là, c'était assez exceptionnel, avec le combat contre les Eidolons qui était vraiment épique. Donc, ça va être intéressant de voir le début du chapitre 9. En plus, on va se retrouver dans un environnement qui sera vraiment très très beau. Donc, moi, je suis très impatient de pouvoir le revoir.